Yahoo! J'espère que tu vas bien, petit Pancha. Aujourd'hui, je te retrouve donc pour une vidéo FAQ. Si tu as la moindre nouvelle question qui t'arrive en tête, n'hésite pas à la mettre en commentaire de cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. On va donc commencer avec les trois questions de Romane. Et donc, la première est: ta mère accepte-t-elle ton côté otaku? Alors, ce qui aurait été pas mal, c'est de me poser la question version ton papa. Ça pourrait être pas mal à développer. Honnêtement, ça pourrait être pas mal à te développer. Surtout côté capillaire. Là, il y a encore plus capillaire ou vestimentaire. C'est là autant, je te fais une petite parenthèse, mais autant là actuellement, tu dois te dire, ouais, vestimentaire, il s'habille normalement. Je m'habille normalement actuellement, entre parenthèses, normalement, actuellement, à cause de mon problème de poids, mais attends que j'ai fini de perdre du poids. Et le style vestimentaire, on en reparle. Je suis retournée dans mes vêtements d'autrefois. Et... là, tu vas croire que tu m'as perdu. Au niveau du cerveau, que j'ai pété une durite, mais non, c'était ce que j'étais avant. Et ouais, voilà. Donc je tiens à préciser. En ce qui concerne, donc, est-ce que ma mère accepte mon côté otaku complètement et à 100% en fait. Elle m'a déjà accompagnée en convention, elle a déjà fait la première Japan Expo que j'ai fait. Ça ne la dérange pas du tout, par exemple, d'y retourner si elle devait venir avec moi dans la convention. Là, par exemple, quand on fait des conventions, elle en profite plus. Par exemple, quand je vais sur Paris, ou quand j'en faisais plutôt, parce que maintenant j'en fais plus beaucoup et je vais recommencer prochainement. Mais par exemple, elle en profitait plus pour être sur Paris même, visiter Paris, tout ça, parce qu'on est tous les deux des drogués de Paris. Et moi, faire ma convention à côté. Mais si je devais lui demander, par exemple, demain à ma mère de venir avec moi pour telle ou telle convention, dans la convention, elle ne ferait aucune critique. Au contraire, parce qu'elle aime bien un petit peu cet univers. En ce qui concerne vraiment l'univers manga, animé, tout ça, elle ne va surtout pas, en aucun cas, me faire des réflexions ou quoi que ce soit, parce qu'elle a bien compris aussi que c'était le manga qui m'avait sauvé au niveau du collège. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir ma vidéo sur ma dépression et je dis clairement que c'est les mangas qui m'ont un petit peu sauvé pour la période collège, qui m'ont permis de me tenir beaucoup plus, parce que sinon j'aurais cédé bien avant au pétage de câbles par rapport à mon harcèlement scolaire. Et donc non, en ce qui concerne le manga, l'animé, tout ça, elle ne dira oh, jamais rien. Mais par contre, le seul truc en fait où elle va plus me faire des réflexions, c'est les peluches. Que ce soit manga ou Disney ou ce que tu veux, c'est les peluches. Autant par exemple, je pourrais dépenser 50 euros dans des figurines, même dans une seule figurine, elle me dirait rien. Autant les peluches, si quand j'en achète, il y a toujours un petit réflexion en disant t'en as pas assez. Eh ben non, j'en aurai jamais assez. Crois-moi, j'en aurai jamais assez. Déjà, rien que pour les Disney. J'en veux une par film. Et comme ils sortent toujours des films, ben je m'arrêterai jamais. Voilà. Les Pokémon, j'ai une belle liste de projets et tout ça. Et au niveau même personnage de manga, j'en ai quelques-uns. Je sais pas si on les verra. Il y a Shikamaru, il y a Miku, Hatsume Miku. Mais il y a d'autres personnages que j'ai. Et je n'ai pas fini non plus ces collections-là. Mais non, elle dira jamais rien. Parce qu'elle a bien compris que ça m'aidait, que j'étais heureux. Ça me fait lire. Parce qu'avant, je ne lisais jamais. Parce que j'ai des problèmes avec la lecture, le français, etc. Donc, voilà. Donc, non. Après, il faudrait vraiment développer ce genre de questions. Est-ce que c'est le style vestimentaire que tu sous-entends? Les couleurs de cheveux? Mais en fait, non. Parce que, si tu veux, même les couleurs de cheveux, c'est elle qui fait Picasso, comme j'aime dire. C'est elle qui peint, en fait, qui fait mes colorations. Je lui dis comment on fait, quelles sont les étapes et tout ça, comment on fait la coloration. Et c'est elle qui le fait. Et si elle n'acceptait pas, par exemple, mes couleurs de cheveux, elle ne me les ferait pas. Voilà. Alors certes, quand j'ai fait le spin hair, donc quand j'ai fait un côté, et que j'avais fait rose, violet et les pointes émeraudes, là ça a été pas mal de temps de négociation, surtout que bon, comme je sais à peu près sur un an entier ce que je veux faire, j'ai pu négocier ça quand même et arriver à l'avoir à la longue. Mais voilà, mais sinon franchement non, il y a... Après il faudrait vraiment développer la question, mais franchement non du tout. Après, c'est plus mon père qui a un peu moins accepté, mais dans l'ensemble, à force avec les années, ils ont bien compris que j'étais droguée comme je suis droguée à Paris. Voilà. Hein, et qu'ils ont bien compris aussi que je m'arrêterai jamais ou quand j'aurai fini de lire ce que je veux lire. Et en animé, quand j'aurai fait le tour aussi. Voilà.
Donc, non, il n'y a pas de problème en ce qui concerne mes parents. Question 2, tes 3 seinen préférés. Alors, j'ai été vérifiée quand même dans mes seinen, s'il y avait des titres où j'étais pas sûre que ça soit des seinen ou pas. Et j'ai réfléchi, j'en ai trouvé 3. Alors, il va falloir que tu me pardonnes parce qu'il y en a un qui est stoppé au niveau commercialisation. Et en fait, le quatrième que j'aurais choisi, je me suis dit, tiens, je vais peut-être en choisir un quatrième. Le quatrième aussi est stoppé au niveau commercialisation, donc je suis désolée. Donc, ce n'est pas dans l'ordre de préférence. Mais on va avoir du coup le manga La Cité des Esclaves de Casterman. On va avoir Kurokami Black God que je t'ai présenté il n'y a pas très très longtemps des éditions Kiyun. Et on va avoir pour terminer Virgin Biter Virgin ou Virgin Biter, je ne sais jamais dans quel ordre c'est, qui est aussi de Kiyun, qui a été stoppé au niveau commercialisation. Et en quatrième, sinon je t'aurais dit Détenu 042 qui était vraiment intéressant. Et après, il y a peut-être une œuvre des éditions Akata, mais je vois pas trop les titres seinen tout de suite. Donc, voilà. Et pour terminer, la question numéro 3, c'est combien as-tu de yaoi? Et ça, je vais te proposer tout simplement qu'on prenne la caméra et qu'on aille compter ça ensemble. Donc, je suis désolée pour la qualité des images. On est avec mon téléphone et surtout, je suis en train de trembler parce que je suis en équilibre sur un lit. Donc, côté yaoi, Taifu et Asuka, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. On est bon, on est bon. Donc si on descend plus ou moins d'un étage, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On redescend, on a 2, 3, 4, 5, 6, l'abysme, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 plus 10, 21, plus 19. Et on est bon pour ce côté. Si, voilà. Je vous ai posé un petit peu n'importe comment, mais c'était la seule méthode que j'ai trouvée. Donc c'est parti avec 1, 2, je suis trop petit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 noirs. On va. Voilà. J'espère que. Je vois pas trop ce que vous voyez. Donc 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 26 et 27 au total pour les boys of à 4 euros. 27, on continue. Hop, désolé, tu te couches. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, hop. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46. Donc 46 Boys Love et 40 de l'autre côté. On termine donc cette petite vidéo avec la question de Aurélien parce qu'il m'avait posé quelques questions sur Instagram, mais ce sont des questions pour la chaîne EB World. Et là pour la chaîne, on a la seule question qui est quels sont tes 3 yaoi préférés ? Alors 3, ça va être quand même très 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 compliqué de te faire une sélection de seulement 3 titres. Mais je vais quand même relever le défi. Par contre, je t'invite, si tu veux vraiment connaître mon top du top des yaoi, déjà à aller voir la précédente vidéo que j'ai fait, qui sera le meilleur des yaoi, un truc comme ça. Et je t'invite tout simplement à me rejoindre sur la chaîne le 27 mars à 17h pour avoir la fin de la battle et savoir quels sont les 8 yaoi que je préfère dans ma collection. Si je dois réellement en choisir 3, il y en a 2 à 100%, j'en suis sûre, et je vois très bien les titres. Ça va être déjà Love Whisper, je sais plus trop quoi. Je suis désolée. Qui est donc des éditions Taifu. On va avoir Nouveau Départ, qui a été réellement un coup de cœur dans mes dernières lectures. Et pour terminer, j'ai envie un petit peu de te surprendre, peut-être. Et je te dirais, j'ai vraiment un doute parce que c'est vraiment très compliqué de dire 3 alors que tu vois rien que pour les 8 derniers ça a été très dur, même j'aurais été incapable pour les 8 derniers qu'il y aura pour la vidéo du 27 mars de faire un choix et de faire un ordre de préférence. Mais je pense que je vais peut-être vous surprendre mais dire Mods, ce titre là. Parce que ce sont des 3 mangas qui abordent des sujets vraiment très 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 intéressants, très fascinants à mes yeux. Donc je te dirai ces 3 titres là, mais honnêtement, la sélection des 8 titres que je te... Ouais je sais je répète, mais la sélection des 8 titres
que tu vas voir dans la vidéo du 27 mars. Franchement, c'est le best of the best. Et si tu as envie de commencer par du yaoi, et ben c'est ces titres-là vraiment que je te conseille à mettre dans ta collection. On va attaquer donc avec les trois questions de Laura Erika. Question 1, quel âge as-tu? Alors ça, la question de l'âge, je vais faire vite fait. Je ne réponds jamais à cette question pour plusieurs raisons. Je l'ai déjà expliqué lors de la FAQ, des trois FAQ, trois vidéos que j'ai fait l'an dernier. Et voilà, tout simplement, je ne réponds pas à cette question pour diverses raisons. Question 2, fais-tu du cosplay? Alors, du cosplay, j'en ai fait. J'ai arrêté parce que j'ai pris du poids et que je ne voulais pas être un cosplayer taille XXL. Et aussi que vu que j'avais pris une taille ou deux, je n'avais pas envie de faire un costume pour deux tailles au-dessus. Par exemple, je faisais au départ du 36-38, j'ai pas envie de faire un cosplay taille 40-42. Si c'est pour après reprendre ou reperdre du poids, ça ne me tentait pas du tout. Donc, tant que j'ai cette histoire de poids en bug, pour l'instant, je ne fais plus de cosplay. Et puis, j'avais aussi besoin de faire une pause là-dedans. Et ça est tombé en même temps que j'ai voulu commencer YouTube. J'avais plus trop envie de sortir vu que j'ai pris du poids, donc forcément plus de conventions. Donc tout ça s'est mélangé. Mais dès que j'ai perdu du poids, les conventions, je les ferai sûrement en cosplay. On continue avec la dernière question donc de Laura Erika. Tu lis beaucoup de mangas, mais regardes-tu des animes? Alors, au tout début, quand j'ai commencé les mangas et tout ça, l'univers otaku, je lisais un manga par jour et je regardais un animé par jour. Donc un animé de 12 épisodes. Hein. Je regardais 12 épisodes par jour. Quand c'était un animé de 24, ben voilà, ça me prenait 2 jours. Mais voilà. Il faut savoir que j'ai regardé un nombre incalculable d'animés. Ça, j'ai dit le chiffre exact l'an dernier. Et j'en ai pas regardé spécialement beaucoup depuis. Donc le chiffre est quasiment identique. Et là maintenant je n'en regarde plus pour plusieurs raisons. Un, parce que limite j'ai fait le tour. Parce que si tu regardes ce qu'il me reste en fait à regarder, c'est 50% pour deux trucs. Du hentai et du mecha. À savoir que le mecha, je n'aime pas ça. Le hentai, je tenterai. Voilà, il y a eu des titres, j'ai tenté déjà il n'y a pas longtemps. Je tenterai franchement, mais pour l'instant, voilà. Et l'autre pourcent, c'est soit des trucs que je n'aime pas, soit c'est carrément du je ne connais pas, mais j'ai pas encore testé. Voilà. À savoir aussi que maintenant, j'ai de moins en moins aussi envie de m'intéresser aux nouvelles séries, parce que déjà, il y a beaucoup de hype, surtout certains titres. Et aussi parce que maintenant, il faut payer pour regarder les animés, alors qu'autrefois, bah, tu payais pas. Tu regardais en sous-titré français. Et voilà, maintenant, dès qu'une série commence à atterrir, hop, elle est prise par des licences et tu ne peux plus, enfin l'édition comme tu veux, mais tu ne peux plus les regarder gratuitement. Donc, voilà. Après, si je peux squatter le compte d'une amie ou quoi, pas de problème, je ferai... parce que j'ai vu hein, certains sites, il y a pas mal de titres que je pourrais te présenter qui m'intéresseraient. Mais voilà, moi, j'ai pas envie de dépenser des sous pour regarder des animés, surtout qu'avec YouTube et mon rythme actuel, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, donc payer par exemple, je sais pas moi, je sais plus combien c'est par exemple Netflix ou d'autres trucs, par exemple payer 10 euros par mois, clairement si je... Il y a pas longtemps j'ai essayé de regarder un animé en 12 épisodes, j'ai mis un mois, je l'ai même pas fini, donc... sache qu'à partir de ce mois-ci, du mois de mars, j'envisage de te présenter déjà un film d'animation par mois, j'en ai quand même pas mal en réserve à te présenter et des films aussi humains et je compte représenter quelques animés dont certains que j'ai en DVD parce que justement ils sont pas forcément trop connus et ça pourrait être pas mal d'en parler ou alors ce sont des vieux titres et ça pourrait être pas mal aussi d'en parler parce qu'il n'y a pas que les nouveautés dans la vie. Voilà, c'est comme les personnes qui sur YouTube ne présentent que les mangas qui sont sortis à partir du moment où ils ont commencé leur chaîne YouTube et si le titre a commencé avant eux, c'est j'en parle pas, il est non existant alors qu'ils le lisent et qu'ils... Voilà, donc moi je fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de date de péremption pour regarder ou lire un manga ou le présenter. On va continuer donc avec, j'ai paumé son nom, Am l'Otaku. Je suppose que ça se prononce comme ça, A-M, bon. Donc on va faire dans l'autre sens. Seras-tu présente à la Japan Expo? Donc déjà on va reprendre la phrase et seras-tu présente? Donc déjà tu m'enlèves ton E à la fin du mot et seras-tu présent à Japan Expo? Oui. Pour l'instant, sur le week-end,
Alors, je ne sais pas encore comment, au niveau apparence, etc. Je ne sais même pas encore trop la couleur de cheveux que j'aurai, donc je ne peux pas te garantir ce genre de détails. Et le jeudi, j'y vais peut-être, il faut que je vérifie avec la personne en question avec qui je compte y aller. J'y vais peut-être le jeudi et sur le week-end. Voilà. Et d'ailleurs, je serai principalement, je pense, en compagnie de Mandy Potter Geek. Donc, c'est là et là. Les liens de Mandy. Donc voilà, sûr, je sais que je dois passer, moi peut-être sûrement le dimanche, vu qu'on a le même hôtel. Donc je pense qu'on partira déjà de la Japan Expo ensemble. Et le samedi, bah, ça dépend. Voilà. Mais sache que même si je suis avec quelqu'un avec moi dans la convention, d'ailleurs je me déplace quasiment jamais seule, mais sache que tu peux venir me voir, tu peux venir me parler. Et voilà, alors à savoir que. Non, ça va, je suis pas en cosplay donc ça va. Parce que quand je faisais des cosplays, j'enlevais mes lunettes donc je voyais pas grand chose. Donc c'était souvent que je loupais des personnes. Là, j'aurai mes lunettes donc je verrai. Donc voilà, tu hésites pas, tu viens me voir, je ne mange pas. Voilà, si tu veux qu'on fasse une photo ensemble, on fera une photo. Si tu veux. Contact physique, je suis pas trop dingue donc on. Me demande pas un câlin qui va faire 1 heure ou un truc comme ça. Je suis pas dingue du tout du contact physique. Donc voilà. Je veux bien, hein, faire un petit effort. Le petit câlin, rapido, ok. Et pas longtemps, s'il vous plaît. Je suis pas fan du tout du contact physique. Voilà. On continue avec la question suivante qui est, est-ce que tu feras une vidéo sur ta Mangatech? Alors oui, certes, je t'avoue que la dernière date de avril 2016, si je dis pas de bêtises, ça date un petit peu, parce que l'an dernier je devais le faire et j'ai à chaque fois repoussé et j'ai oublié après. Et après on est tombé sur les mois d'hiver et donc c'était pas faisable. Donc j'attends tout simplement qu'il fasse un peu plus beau, qu'on ait un soleil bien pétant. Hein, aussi lumineux quasiment que mes éclairages, tout simplement parce que même en mettant des éclairages, j'avais fait ça la dernière fois, il y a certaines zones de la pièce qui sont très mal foutues, très mal placées, et en fait il y a certains mangas où sinon tu verrais très mal, donc forcément j'attends un petit peu les beaux jours et on fera ça bien entendu. Par contre je me tâte et je verrai ça au moment où j'aurai filmé, parce que comme j'ai 3 meubles, je me demande si je fais une vidéo par meuble ou si je te fais une seule vidéo, mais elle sera assez longue. Sachant que je te dirai pas j'ai aimé, j'ai pas aimé, ou, etc. Parce que sinon on y est encore pour longtemps. Je te montrerai juste assez vite fait en te citant vite fait les titres. Et voilà, je te dirai par exemple si j'ai pas présenté les mangas, si je compte les relire. Et s'ils ont été présentés, je dirai rien parce que 90% de ma mangatech a été déjà présentée. Voilà. Pour terminer la question, et combien de mangas as-tu? Alors, il faut savoir qu'il y a un énorme fossé. Par exemple, si tu regardes sur le site Manga Sanctuary le nombre de mangas que je possède, parce qu'il y en a beaucoup que je revends. Et je te dirai grosso modo 1200. Plus de 1100, ça c'est sûr, et je pense pas avoir dépassé les 1300. Voilà, mais on comptera ça ensemble lors de ma vidéo. Donc, sur ma Mangatech, on fera ça ensemble. Et en même temps, il faudrait aussi que je pense à ranger les étagères parce que il y a les mangas et après devant, tu as les figurines et ça fait très bordélique. Donc, voilà, mais on comptera ça ensemble lors de la vidéo. Comme ça fera une vidéo Mangatech plus je compte mes mangas et donc on saura tout ça ensemble. Voilà. Cette petite vidéo FAQ est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu et surtout que le petit passage où on compte les mangas ensemble t'aura plu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve très vite pour la suite.